Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur, dans le bureau de cette merveilleuse partie politique de M. Moïse Katumbi ici à Johannesburg. Nous sommes là pour une réunion de MAMA. Donc nous allons profiter pour justement nous entretenir avec ceux qui tiennent ce bureau ici, l'historique du bureau. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par nous entretenir avec celle qui va tenir la réunion de MAMA en cette journée de 12 octobre 2022. Bonjour MAMA. Bonjour. Comment ça va? Je veux bien, merci. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Sandra Kamwanya. Je suis chargée de la Ligue de Maman, Ensemble pour la République, Johannesburg. C'est depuis combien de temps que vous êtes avec Ensemble? Au fait, ça fait quand même longtemps, mais avec le nouveau parti politique, depuis qu'on a créé le parti politique, je veux dire que c'est une année suis avec lui. Ok. Comment vous trouvez d'abord l'évolution d'Ensemble ici en Afrique du Sud? Ça évolue. Avec le travail qu'on est en train de faire sur le terrain, je pense que ça va par rapport à d'autres partis politiques. Hein. Vous êtes on déjà évolue dans quand même. 1000 membres? Plus, hein. Okay. Je dirais plus même parce que je suis aussi chargée de mettre les data dans le database de notre parti. Donc, on est plus de 1000, si je ne me trompe pas. Vous êtes déjà au-delà de 1000. Oui, on est déjà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la réunion d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous réunissez le MAMA? Aujourd'hui, c'est le premier contact depuis qu'on a ouvert le bureau Johannesburg-Kensington. Mm-hmm. C'est la première fois qu'on va échanger avec les mamans pour essayer un peu de créer un groupe de mamans qui vont donner leur... un plus à notre parti politique, quoi. Ok. Et qu'est-ce que vous allez parler justement aujourd'hui? Vous dites que ce sont les contacts, parce qu'elles ont déjà rempli les fiches de contacts. Elles sont déjà membres, ouais. Justement. Quel est le contenant de la réunion d'aujourd'hui? Donc, ça ne sera plus la prise de contact. Non, ça ne sera pas la prise de contact. Ça sera, on va parler sur l'apport de la femme dans la société. La femme congolaise, quoi. Ouais. Avec... toutes les réalités que nous vivons ici en Afrique du Sud. Donc, on va se baser sur cette réalité de l'Afrique du Sud et aussi voir comment est-ce qu'on peut évoluer et donner notre apport ou donner un autre plus au parti avec la situation que nous vivons ici en Afrique du Sud. Et l'idéologie, la partie idéologiste de MAMA dans le parti, comment est-ce que vous trouvez, quelle est leur contribution qu'ils pourront justement faire avancer le parti? Elles doivent donner leur rapport, elles doivent être indépendantes. La femme n'est pas seulement une mère ou une ménagère. Oui. Elle doit aussi donner un plus à notre parti. Mmh. On est juste là pour essayer un peu de changer cette idéologie-là des femmes qui sont, si je peux dire, trop focalisées à la maison, mmh. Les enfants, le mari et autres. Donc, on se dit qu'avec... la vision du président Moïse, ce n'est pas seulement la femme être à la maison, mais c'est la femme donner aussi son apport dans notre parti politique. Voilà. Donc, nous pouvons comprendre que vous allez le faire comprendre leur importance de faire partir dans la structure des femmes. Voilà. Exactement. Oui, merci exactement. Beaucoup, maman. Vous vous appelez encore comment? Sandra Kamwanya. Sandra Kamwanya. Merci beaucoup pour nous avoir donné votre point de vue. Donc, on vous laisse pour que vous puissiez aller dans la réunion. Merci. Merci à beaucoup, plus tard. Monsieur Jean-Marie. Okay. Moi, je fais ça. Si c'est... Il y a les réunions, par exemple, des mamans samedi. Tu ne seras pas dispo le samedi. Tu peux être dispo le dimanche. Et on vote et on voit comment est-ce qu'on peut évoluer. Bien sûr, mais tu y a pas pour toi apporter à prendre ce que nous avons échangé. Les églises, les différentes associations qu'on a, ils changent rien dans le monaco, il y a beaucoup. Il y a des réponses qui sont pas bonnes. C'est-à-dire que dans la politique, on tous a dans